Terrible nuit, terrible réveil. Tout mon soutien et mes pensées aux victimes, à leurs proches et à toutes les personnes touchées par le tremblement de terre. Aidons et apportons tous à notre échelle notre contribution pour aider le Maroc et prions pour que des vies soient sauvées dans les heures et les jours qui viennent. Prenons soin les uns des autres, courage et force. Bouleversé par la tragédie qui a frappé le Maroc cette nuit. Pensez et soutien à toutes les victimes et leurs familles. L'urgence, c'est d'amener un soutien moral aux populations marocaines, leur dire qu'on est là. Et puis un soutien financier, pour qu'ils puissent reconstruire. Je vais bien et ma famille aussi, merci, cette nuit fut une nuit de cauchemar et la pire de ma vie. Comme quoi, on est bien peu de choses sur terre, mais grâce à Dieu, nous allons bien. Je pense à toutes les familles en deuil actuellement au Maroc. Mes prières vous accompagnent. Je suis envahi d'une immense tristesse. Le Maroc fait partie intégrante de ma vie et j'ai vécu en direct cet épisode douloureux. Expérience de peur et c'était la terre qui tremblait. Ce séisme a frappé un pays réputé à juste titre pour sa bienveillance et son sens de l'hospitalité. Vive le Maroc. Wow, je suis en train de vivre un truc de fou là. C'est quoi ce bordel ? Je me vois au cinquième étage, avec l'immeuble qui s'effondre et moi dedans. Je n'ai pensé qu'à une chose, ma mère et moi qui crèvent là-dedans en fait. Vraiment, on aurait dit la fin du monde. Les gens dormaient dehors par terre pour ne pas rester chez eux, c'est prenant.